bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée, j'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous. Donc nous allons faire une vidéo qui s'appellera les géraniums, je pense. Et nous, je voulais vous... Alors merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, vos petits commentaires tout à fait charmants les uns et les autres. Voilà, donc nous sommes en train de créer une belle communauté et il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi, donc du côté du monde du bidon, d'accord, lors de mon départ, l'année prochaine. Donc on est en train de mettre des choses en place et... Bon, les idées fusent tout azimut entre la personne qui m'accompagnera bien sûr et d'autres personnes sur place. Alors, je voulais vous remontrer parce que dans la vidéo d'hier sur la deuxième chaîne Chris Sinclair Media concernant Soyez Magique, d'accord, je voulais vous remontrer cet ouvrage. Alors, c'est plus du tout la même couverture, je vous le dis tout de suite, elle a changé. Mais ils ont réédité le bouquin qui s'appelle « Grimoire ancestral » d'Émilie Kurtz, d'accord. Et à l'intérieur, je ne sais pas si je vais les trouver tout de suite, donc il y a plusieurs mages hein, qui ont écrit des sortilèges, etc. Donc faites-vous un plaisir. Voilà, ben, je tombe tout de suite dessus. « Mots de pouvoir », voyez-vous, à l'intérieur. Donc je trouve ça tout à fait formidable. Bon, il y a plein de choses à l'intérieur, c'est un livre, vous voyez, pour moi qui est très... enfin, j'ai vraiment utilisé celui-ci, très utile. Voilà, il y a des incantations, tout ça qu'il faut connaître. Bon, ben écoutez, pourquoi pas, d'accord. Donc, c'est un livre que je vous recommande. Alors, j'ai changé ma caméra de place, je vais faire plusieurs essais si vous me permettez. Voilà, comme ça vous voyez bien les œuvres de Sandrine Cercé, donc qui est ma meilleure amie, d'accord, et qui vit du côté de Besançon, voilà, tout simplement, et elle devrait exposer au Grand Palais à Paris très bientôt. La seule chose, vous trouverez aussi ses œuvres à Ornans, où elle expose tout l'été, mais aussi sur son site. Alors elle a une page Instagram, je vous ai mis juste en dessous de la vidéo, si vous voulez jeter dans la barre de description. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Je reprends le Paul Lusson, nous allons faire la clopointure, bien évidemment des J.O, où nous allons parler des D.Montbal, que vous connaissez déjà, et Moll.Hoc. Donc, ce qui va nous intéresser par rapport à cela, les amis, c'est de savoir si ils vont rester sur place ou qu'est-ce qui va se passer avec eux. Bon, c'est déjà que la finalité vis-à-vis de ces gens qui sont en train de préparer cette cérémonie. D'accord, ben écoutez, on pensera exactement la même chose qu'au départ. Ça ne va pas changer, pourquoi voulez-vous que ça change? Voilà, alors, donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette clopointure, d'accord. Voir qu'est-ce qui va se passer, voilà, si on va pouvoir planter des géraniums, pas des géraniums, voyez-vous, voilà, si on y mettra de l'engrais, pas de l'engrais. Moi, j'arrive à me marrer avec tout ça, voilà, excusez-moi, j'essaye pour la vidéo, voir ce qui va marcher, pas marcher, voilà, donc, hop, comme ça, vous voyez un petit peu différents côtés de mon bureau. Alors, on va aller voir, dites-moi, concernant cette clopointure et surtout les deux D.Mont. Enfin, il y a plein de vidéos qui ont été créées sur le sujet, donc je vous encourage à aller voir. Donc, il y avait bien Baal, B-A-A-L, et Moll.Hoc, M-O-L-O-C-H. D'accord, voilà. Donc, dites-moi, par rapport à cette clopointure... Voilà, je crois que ça ira pas pour le bon, ça ira pour le tirage. De toute façon, je vous montre les cartes comme d'habitude. Personnellement, il est très important. Hop, voilà. Un petit peu de lumière, c'est très bien. Alors oui, donc hier, je vous ai parlé de magie concernant sur la chaîne Chris Sinclair Media pour que vous arriviez à comprendre que tout le monde peut faire de la magie, d'accord? Pas plus Chris que vous. Vous en avez toutes les compétences, toutes les qualités. Alors, dites-moi, concernant la clopointure, voilà, qu'est-ce qui va se passer?
hein, on a besoin de savoir, est-ce que les 2D.mon vont pouvoir s'en aller dans une autre contrée, peut-être dans le vestiaire de Bricaton ou de Briquette, qui sait. Enfin, j'espère que vous avez la forme, les amis. Voilà. On n'est pas triste. Voilà. Voilà. Il y a toujours. Moi, je dis toujours marqué, même dans des périodes un petit peu difficiles, je dis il y a toujours un mal pour un bien. Et même quand on traverse des moments difficiles, ce qui a été mon cas là, il y a un an, eh bien, j'ai toujours relativisé. Ça m'a été très utile. Alors, dites-moi. Concernant la clopointure. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Ouais, je pense que vous allez bien voir. Je me rapproche un petit peu. Donc, nous sommes bien dans une histoire de frappa point dingue. D'accord? Changement radical. Bon, bah écoutez, à mon avis, ils ont déjà révisé quelques trucs à l'intérieur pour éviter les standpoints d'âle. D'accord? Tout simplement. Mais là, je vois un changement radical par rapport à ce qui devait être fait. Nous sommes toujours au niveau des frappes à point d'un, comme je le disais. Pour moi, si vous voulez, ce sera un moment heureux pour ces époilites, si vous voulez, ces sinistroses. Est-ce que ce sera un moment... on s'en fout, en fait. D'accord? On s'en fout. Là, ça ne me dit rien, dans un premier temps, comme quelque chose qui va ou va arriver un problème ou quoi que ce soit. Ben, je suis obligée de tout vous dire, hein. Si je ne vous dis pas, après. Donc, le Bricaton et sa Briquette seront contents de tout ce qui s'est passé. Donc, pour moi, il y a Anatan point pointa qui sera mis sur la touche. Donc, ça ne se produira pas. L'autre, il va être ravi de ce qui s'est passé. Puis, il va commencer à faire des dés points créés, enfin de... décider beaucoup de choses, le Bricaton, bien sûr, pour lui, tout roule, tout se déroule, vous avez vu dans les photos tout de même, il est parti au bord de l'eau sans canailler, tout simplement, avec ses petits mignons, et oui, que voulez-vous, nous sommes du temps de Louis XIV, et oui, monsieur, le monsieur, vous savez, allez, il n'était pas marié avec la Palatine, si, je crois bien, d'accord. Donc, des projets qui vont être des joues. Et, ben, écoutez, je vais vous le dire clairement. Alors, il va être tout content. Voyez-vous, Napoléon, la suite. Vous avez Anne. Anne qui fait hi-hi à Lutèce, bien évidemment. Et, ben, Ida, le point go. Bien sûr, elle sera ravie de s'être allée dans le flamme. Mais, par contre, je peux vous dire clairement qu'il va y avoir des soucis par rapport avec ça. Par contre... là, nous avons la colle qui en a l'air. Et là, ça me dit tout de suite après. D'accord? Donc, à mon avis, il croit que c'est terminé. Ça y est, tout le monde a oublié. Voyez-vous, ben rien du tout. Que nenni. La popu point lasse ne se prélasse pas. Voyez-vous, et là, je crois que tous ces projets ne vont pas aboutir au Bricaton. Bien au contraire. Parce que la co.lr sera bien là. D'autre part, pour moi, ce qui se passe chez les grands boutons va arriver chez nous, je vous l'ai déjà dit, via le nord. Voyez-vous ce que je veux dire? Le grand nord de notre belle contrée. Alors, pétard, c'est assez étrange parce qu'ici, nous avons les... En fait, si vous voulez, le rocher noir, alors vous traduisez en anglais comme d'habitude... Et là, me dit clairement qu'ils ont des soucis de pépette et des soucis de flouze et ils vont vouloir nous amener des points pots. D'accord? Donc, nous allons avoir ce genre de choses et ça risque de mal se passer. Bien évidemment, parce qu'ils vont se rendre compte que la popu point lasse en a rien du tout à faire de tout cela. D'accord? Là, je peux vous l'affirmer. C'est une certitude, ils pensent qu'ils sont les meilleurs et les plus beaux parce qu'ils sont à Lutèce. Je vous l'ai déjà dit, pour faire le sauter le bouchon, c'est à Lutèce que ça se passe. Le jour où Lutèce sera partie dans les étoiles,
voyez-vous, aller sur un autre, sur une autre, je sais pas comment vous dirais-je, peut-être sur un satellite, ou alors peut-être dans un autre, sur une autre étoile, ça serait pas plus mal, qu'en pensez-vous? Excusez-moi, je me lâche. Alors, d'accord. Bon, ben écoutez, leur histoire déjà, vous savez, ils veulent ponctio.ne ben concernant les propriétés, d'accord, déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Wow! La 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 la! Alors, qu'est-ce que nous, les associations entre les gens? Ah oui, il va nous faire les grands stratèges. Il va ressortir son manteau, voyez-vous, Hamlet, ou alors peut-être Rodrigue, je ne sais, il arrive sur son beau cheval blanc, voyez-vous, pour essayer de nous prendre des pépettes. Voilà, donc c'est vis-à-vis des femmes.mille, etc., etc. D'accord? De toute façon, là, d'entrée de jeu, j'ai la call.r, donc de la popu.las, donc des franchoux.yard. Donc, automatiquement, je peux vous annoncer clairement que là, il va y avoir quelques soucis, donc, de ce côté-là. Mais c'est mieux le côté, mon père. Laisse venir le... Non, c'est pas... Non, je peux pas vous le dire. Oh, mon père avait ses explications. Laisse le bougeon. Voilà. Laisse le bougeon. Voilà. Il disait ça. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Les bambins. Sans communication. Ils vont... Alors, je vous dis, si vous avez des bambins, d'accord, avant d'aller... à l'école, hein, tout simplement, vous ferez, verrez, il y a des choses qui vont être décidées, tout simplement, pour les bambins, sans communication, donc il y a des choses qui vont être mises en, en place, d'accord? Donc pour moi, si vous voulez, je ne serais pas étonnée que l'on leur donne un petit jus de fruits dans le bras, d'accord? Ensuite ici, oh là, bon ben là je peux vous annoncer clairement les amis, tout ce qui va dire, c'est ce que je vous ai expliqué depuis le départ, hein. Donc la clôture.re, si vous voulez, je vais vous annoncer que tout ce qui va se passer, ça ne se produira pas. Ils ont lâché BAL, ils ont lâché MOL.OC, mais je peux vous annoncer qui va se produire chez nous la même chose que chez les Grands Bretons. Donc, les deux D.MON vont partir dans une autre contrée. D'accord. Ah ouais, attendez, attendez. Là, je les vois partir chez les Grands Bretons. D'accord. Je les vois partir. En plus, vous avez vu que la Popo Lili Susse, elle est avec les touristes du Sud. Alors... Au niveau de... Ah! Alors, à la fois, ils s'en vont, mais j'aime autant vous dire qu'ils n'auront pas perdu de leur puissance, bien au contraire, d'accord, puisque je les vois ici, bien évidemment, de prendre de la force.se, mais de s'en aller dans d'autres contrées, d'accord. Donc, il y aura pour moi, au pays des moules frites, au pays des moules, frites également, mais les moules de haut point, vous savez, les de Hollande, bien sûr, d'accord. Ça va être le pays pour cela. Ensuite, nous avons... Alors, nous avons quelque chose de sacré, d'accord. Ils vont prendre une décision... Alors, c'est au niveau... là, ça me parle... Donc, là, ça me parle vraiment des D.MON, vous savez, donc de BAL et de BOL.OC. Ils partent dans une autre contrée. Et pour moi, ça va toucher aussi légèrement, c'est-à-dire de l'autre côté du Rhin, bien évidemment. Là aussi, ça va être... Là, ça va être compliqué au niveau des Germans. Je pense qu'il y en a deux ou trois qui vont se planquer...
du côté des Germans là-bas, parce qu'elles ont beaucoup de choses à ce repos.ché. D'accord. Oh là là. Donc les deux dépoiements vont s'affaire comme vous savez pour les sous-sous, le blé, le flouze. D'accord, c'est la même chose si vous voulez. Ils vont mettre le box.on. D'accord. Donc pour moi, il va rien se produire du tout à la clos pointure, dj.o. On est bien clair sur le sujet. Par contre, il y a beaucoup de choses que l'autre est en train, pendant qu'on était en vacances, en train de, et lui avec ses petits mignons, il a fait des signatures, d'accord? Et là, ça me dit clairement, il y a beaucoup de choses qui vont se produire, mais je les vois partir tout azimut, ces deux énergies, d'accord? Je les vois partir tout azimut, de partout, même du côté du bidon. Oh là! Ouais, c'est ça. En fait, ils vont renverser, alors vous, ça ne va pas vous déplaire, ils vont renverser la table, tout simplement. D'accord? Ici, nous avons une prise de décision, il y a une action qui ne marche pas. Donc, tout ce qu'ils vont vouloir faire, quelque part, vous voyez comme quoi ce n'est pas toujours négatif. Le Napoléon, le Bricaton, voilà, et ces petites choses vont se le ramasser en soufflet. D'accord? Voilà, ils vont se le ramasser en soufflet également. Donc, à mon avis, ça va rester, ça va être coton. Par contre, ce que je vous avais dit, les amis, je vous avais dit que beaucoup de gens monteraient dans les étoiles et partiraient au ciel. J'en vois de plus en plus, et à mon avis, il va en avoir beaucoup, énormément. D'accord? Voilà, ça va être les uns derrière les autres. Alors, ici. Bon, alors, qu'est-ce que veulent faire les deux dépoiements? C'est envoyer en l'air tout le système monnaie.terre. D'accord? C'est ce qu'ils veulent faire actuellement. Ils sont partis pour cela. Donc, je vois effectivement au niveau du bidon, d'accord, avoir des gros soucis de ce côté-là. Ah, ça va y aller, hein? Je crois qu'on n'est pas. Donc, il se produit quelque chose au niveau de la peste aux étoiles. Là, je peux vous l'annoncer. D'accord? Il y a des rapports dits de puissance. Oh là, il faut que je fasse attention comment je parle. D'accord? Il y a des rapports de puissance qui se mettent en place, si vous voulez, au niveau de la peste aux étoiles. Et croyez-moi que ça ne va pas être une promenade facile. Vous vous rendez compte jusqu'où on en est actuellement, comment qu'on cause? D'accord. Alors ici, la gardienne du temple Sata.nik, donc Christine, hein, voilà. Et ici, nous avons, elle est bien là. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est caché à l'arrière, bien sûr. D'accord, ils vont essayer de tenir les rênes par rapport à plusieurs événements qui vont se produire à la peste aux étoiles, de par ces deux dépoiements dont on a parlé. Donc, ils ne vont pas retourner au bercail, mais par contre, au contraire, ils vont, ben, un peu comme le ferait un serpent, si vous voulez, se faufiler à travers les géraniums. On va dire comme ça. D'accord? Et ici, nous avons, voilà, c'est bricaton, communication, d'accord. Et alors, il va faire, oh ben voilà. Il veut que, alors le but, mais ça c'est vu le rocher noir qui, rocher noir ou traduit en anglais. Hein. Donc, vu le rocher noir, si vous voulez, ce qu'ils veulent imposer, ils veulent empêcher les gens d'accès point D à l'approprié.yété. D'accord? Pas pour ceux qui en ont, mais par contre, ceux-là, il va les taxes point E. D'accord? Ça, c'est une évidence. D'accord? Voilà. Alors, je vais poser une question avec le 32. D'accord? Hop, je vais mettre ici. Est-ce que les deux, donc Baal et Mol.oc, d'accord, vont continuer d'agir.
Attention, c'est des choses super puissantes. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, la clope pointure, il n'y aura pas de souci. Après, l'autre va se la péter. Alors, je vous dis qu'on sera content, non. Mais ils essayent de changer un peu les choses, voyez-vous. Apparemment, il y aurait quelqu'un, enfin, une pointrice française qui serait dans un état d'Ève, voilà. Sur un chariot, c'est ce qui était annoncé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Perturbation, c'est une évidence tout azimut de la part de ces deux entités. Ici, perturbation, donc on va se rendre compte qu'il y en a qui dépensent des sous-sous, du blé, du flouze, voilà, inconsidérément. Et ici, oui, ils seront toujours agissants. Ils ont été sortis, d'accord? Donc là, on ne pourra pas faire grand-chose. Est-ce que ils vont partir au monde du bidon? Les deux, hein? Voilà. Alors, excusez-moi, mais je suis obligée de faire attention. Mais je veux vous donner des tirages différents de ce que vous connaissez. Alors, est-ce qu'ils vont partir au monde du bidon? Structure. Oui. Effectivement, beaucoup de difficultés avec le monde du bidon. Ici, bien évidemment, hop, j'ai le roi et la dame de pique, bien sûr. Le 9 de carreau se retarde, il y aura des nouvelles et on apprendra beaucoup de choses, voilà. Et un blocage derrière, d'accord? Donc pour moi, ils vont mettre le box.on sur place. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc concernant les 2D point mont et la clo pointure OJ.O. Je suis désolée, les points, points, points. Voilà, mais on n'a pas le choix, on pourrait faire les coins, coins, coins aussi. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye!